Bonjour à tous, c'est Seb Bandicoot pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire mes notices. Donc, comme vous voyez, il y en a pas mal. Voilà. Notices, bouquins et tout ça. Et j'ai aussi une pile de jeux. En fait, j'ai que les boîtiers. Enfin, boîtier. Comment dire, boîtier, cover et puis notice. Pas tout le temps, mais quelques fois. Et donc, il me manque que les jeux en fait. Donc si vous avez les jeux, n'hésitez pas à me contacter pour faire un échange, si vous voulez les vendre, ou même pour les vendre que je vous les rachète. Il n'y a pas de souci. On verra avec le prix, c'est pas trop cher. Donc voilà. Donc je vais commencer par les CD que je recherche, les jeux que je recherche donc. Donc les CD vides. Comme ça, ça ira plus vite, parce que après les notices, ce sera un peu plus long, je pense qu'il y en a pas mal. Donc voilà, donc allez. Donc en fait, en jeu, il y aura... Attendez. Hop là. Il y aura beaucoup de DS. DS, un peu de Wii. Un Xbox 360. Et un Xbox normal. Voilà. Pardon. Désolé. C'est parce qu'avec le micro, je tire sur le fil. Donc ça fait boucher la caméra. Donc on va commencer par un DS. Donc c'est pas des jeux extraordinaires. Hein. C'est des jeux que ma fille avait avant et elle les a vendus. Enfin, il y a longtemps. Et elle les a vendus, mais elle les a vendus sans les boîtiers, donc je recherche les jeux maintenant. Donc il y a Léa Passion Vétérinaire 2. Donc comme vous pouvez le voir, il est complet, sans le jeu. Donc je recherche. Sur Xbox, je recherche Spyro The Hero Style. Voilà. Alors ça, c'est un jeu que j'ai acheté comme étant complet. Je n'avais pas regardé dedans. J'ai acheté un lot et puis il était dans le lot. J'ai pas regardé dedans, quand je suis rentré, ben, j'ai eu la surprise qu'il n'y a pas le CD. Donc en fait je l'ai payé comme un jeu normal, mais il n'y a pas de jeu. Bon, c'est pas grave, ça arrive, hein, sur une brocante. Celui-là, sur Wii, Super Smash Bros. Brawl. Donc pareil, je recherche le CD. Si vous avez le CD en loose. Ça m'intéresse. Donc ça c'est pareil, ça avait été acheté dans un lot Wii. Bon, il y avait celui-là qui avait pas le CD, hein, parce qu'il y en avait deux, mais l'autre était dans la console. Donc j'avais payé 20 euros, il y avait 17 jeux je crois, donc... On va pas dire que je me suis fait avoir, mais bon, il n'y avait pas le jeu quand même dedans. Ensuite, Grand Theft Auto 5 sur Xbox 360. Alors celui-là, j'ai le CD de... installation, mais j'ai pas le CD du jeu, donc le disque 2 qui me manque. Voilà, sinon j'ai la notice aussi, quoique non. Ah si, si c'est bon, j'ai la notice, il manque juste le CD 2 de GTA 5 sur Xbox 360. Voilà, ensuite sur Wii il me manque le CD de Skate Hit. Voilà. Donc j'avais le CD, mais quand je l'ai acheté, il y avait le CD dedans, mais le CD ne marche pas, il ne passait pas. Donc pas plus qu'il était rayé, hein, mais je pense que c'était un défaut de fabrication. Ça m'avait peut-être déjà arrivé avec un... Ça m'arrivait avec un jeu PS3 et un jeu Xbox. Mais le jeu Xbox, c'était... comment ça s'appelle? Un jeu de bagnole, là. Bien connu. Forza Motorsport, le premier. Non, Forza Horizon, le premier. Donc HT9, mon petit frère l'avait HT9, le jeu passait pas. Donc sur Wii, je recherche l'incroyable Hulk. Pareil, le CD. Bah, le CD et la notice, parce que je les ai pas, je n'ai pas la notice non plus. Donc je recherche le CD et la notice de l'incroyable Hulk. Ça, je l'avais acheté, ça je le savais qu'il était pas dedans, mais je l'avais acheté 50 centimes en brocante. Je recherche le jeu de Hello Kitty Daily. Et la notice, parce que je l'ai pas. Maintenant, c'est plus que des DS.
Si ça va être des DS de filles, parce que c'est des jeux de filles. Donc, La Petite Sirène, L'Aventure Sous-Marine d'Ariel. Il manque le jeu, c'est tout. J'ai la notice. Les Sims 2, Mes Petits Compagnons. Il manque la notice aussi, le jeu. Bratz The Movie. Il manque que le jeu. Littlest Pet Shop. Il manque que le jeu aussi, j'ai la notice. Grand Galop. Je pense qu'il me manque que le jeu parce que j'entends du bruit. Ouais, j'ai la notice aussi. Hop, je vais enlever ça parce qu'on ne voit plus rien. Hop, voilà. Mario et Luigi voyagent au centre de Browser. Voilà. Il me manque que le jeu. Il y a la notice aussi. Donc ça a été acheté sur une brocante à 50 centimes aussi. Et donc j'avais vu qu'il n'y avait pas le jeu. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu à 50 centimes. Ensuite, il y a un passeport de CM2 à la 6ème. Donc ça c'est pas très grave si vous ne l'avez pas. Hein. Je crois que le boîtier va me servir de boîtier de rechange. 10-11 ans. Français, maths, anglais. C'est jamais si vous avez le jeu. Si jamais vous avez le jeu, on pourra sauver la jaquette d'aller à la poubelle. Et le manuel. Il y a le manuel en plus, ouais. Sinon, bah, il me servira de boîtier de rechange. Dolphin Trainer. Donc pareil, celui-là il est complet, il me manque juste le jeu. Monster High Lycée d'Enfer. Il me manque le jeu. Et Real Story Mont Arras. La vie avec les chevaux. Oh, pardon. Voilà, il manque que le jeu aussi. Voilà, c'est tout pour les boîtiers vides là, auxquels je recherche les jeux. Donc maintenant, on va passer au cover. Bon, pour commencer, j'ai la cover de... Enfin, j'appelle ça une cover, mais je sais pas comment on appelle ça. Mais... Je me rappelle plus, mais bon, j'ai appelé ça une cover. D'Xbox 360 de Forza Horizon. Voilà. Donc c'est celle du jeu que j'avais acheté... Ah ben non, je l'avais acheté d'occasion. J'avais acheté qui marchait pas. Donc voilà, ça c'est rien, c'est une pub. Ensuite j'ai, ça c'est des fausses, donc je vais pas vous les montrer. C'est ceux de Celeste Storm si vous voulez, mais c'est des fausses, c'est des machines que j'ai réimprimées. Donc en fait je cherche un Celeste Storm. Celle-là, c'est pas une imprimée. J'ai FIFA Football 2002, le fond. Voilà. Alors, il manque, si ça doit être une imprimée, parce qu'il manque un côté, là. Celle-là, c'est sûr, c'est pas une imprimée. Les Razmoquettes à la recherche de Raptor. Ça, c'est des imprimés. Vous voyez, Parasite Eve 2 est imprimé. LNF Store imprimé. Lucky Luke imprimé. Lucky Luke imprimé. LNF Store le fond imprimé.
Duck Nukem imprimé. Fighting 2 imprimé. Force Fighting 2 plutôt, imprimé. Le fond de Force Fighting 2, imprimé aussi. Duck Nukem imprimé. Voilà, Harry Potter et la Chambre des Secrets, ça c'est pas imprimé. Jaquette de devant. Need Fear Dueling Mountain Biking. Donc c'est le jeu de vélo que je vous avais montré là. Donc ça c'est c'est à vendre ou échanger. Donc c'est le fond. On va peut-être voir le dessus après. Moto Racer World Tour Platinum, le fond. Demolition Racer. Ça, ça doit être à vendre aussi parce que j'ai pas le jeu. Oh, une belle. Enfin, c'est en platinium non plus. Resident Evil. Donc moi, je recherche le jeu. En normal. Parce qu'il manque que celui-là. J'ai le 2 et le 3, mais j'ai pas le premier. Donc là, il est en platinium. Ou en platinium. Vous me direz si vous allez céder en platinium. En 12, ça m'intéresse. Parce que je crois que j'ai la jaquette de devant aussi. Vagrant Story. J'ai le fond. Colin McRae Rally. Jaquette de devant, bon, un petit peu malade celle-là. Un petit peu plié là. Mais bon, on peut encore servir. En secours. Colin McRae Rally, ils font. Pareil, si vous avez le CD en loose, hein, n'hésitez pas. Eh ben, j'ai le livret de VP. Donc il manque juste. La machine de devant et puis le fond. Rambo Sigur Spear, pareil, je l'ai devant, il manque le fond. C'est possible que je les ai. VP, tenez, j'ai celle de devant, il manque le fond. Moto Racer 2. Moto Racer 2, le fond. Crash Bandicoot 2. Le fond. Astérix Maxi Delarium. Le fond. Newman Ass Racing. Le fond. Le monde des bleus, le fond. Après, ils vont peut-être arriver après les ceux de devant. FIFA 19. Non, 99, pardon. FIFA 99, le fond. Et si vous arrivez à me trouver la FIFA 19 en PlayStation 1, vous êtes fort. Gran Turismo 2, le fond. Gran Turismo 2, la jaquette de devant. Toka 2 Touring Car, le fond. Bon, ça c'est un petit machin de PlayStation, mais ça n'a rien à voir avec les jeux. Newman Ass. Jaquette de devant, celui-là je recherche le jeu. Gable. Jaquette du fond. Newman Ass Notice. Une notice de Def Jam Fighting. Non, Def Jam Fight for NY. Donc New York. Moto Racer 2 en platinium.
Toccata Touring Core Platinum, jaquette de devant. Porsche Challenge. Donc en platinium, jaquette du fond. Toccata Touring Core Platinum, jaquette du fond. Le Monde des Bleus, jaquette de devant. Toccata 2 Touring Core, jaquette du fond. La jaquette de fond du vélo là. Doing No Fear Downhill Mountain Biking. Jaquette de devant. FIFA Football 2005 sur PS2. La notice. Tomb Raider 3. PS1. Notice de devant. Rayman. Notice de devant. Rayman, notice de fond. Moto Racer World Tour, notice de devant. Resident Evil 2, Platinum. Image de fond. Resident Evil 2, Platinum. Image de devant. Resident Evil 2 Platinum livret. Donc je recherche le jeu Resident Evil 2 en Platinum si quelqu'un l'a en loose. Ça m'intéresserait beaucoup, pardon. Le fil était pris dans les covers. Donc on continue. Crash Bandicoot 2. Notice de devant. Cortex Strike Back. Donc notice de devant, ça c'est une connerie. Ensuite, on a la jaquette de Car Racing Challenge. Donc, pareil, si vous avez le jeu en loose, ça m'intéresse aussi. Moi je remettrai un boîtier et puis le jeu. Enfin, si vous avez le jeu et puis la notice, ou même le jeu seulement, ou même que la notice, c'est pas grave. Ensuite, j'ai la notice de FIFA 97. La notice de Duck Hunt. Duck Nukem, plutôt. Je sais pas pourquoi Duck Hunt, non, c'est sur Nintendo Duck Hunt. Duck Nukem. Non, je vais peut-être pas les mettre là, ça. Voilà. J'ai la notice de Magic Racing Tour, Walt Disney. Jaquette de devant de Aquac Donald Quack Attack, ainsi que la notice. Ça c'est Command & Conquer, mais c'est imprimé. Le Best of de Driver 2, jaquette de devant. Le livret de Medieval. Platinum, mais il a un peu bouffé en bas. Mauvais état. Le livret de Qui veut gagner des millions. Seconde édition. Le livret de Scrabble. Disney l'Empire perdu, Atlantide. En Platinum. Jaquette de devant. Le livret. Spider-Man, livret. Resident Evil, Platinum, jaquette de devant, plus livret. Pareil, si vous avez le jeu en loose, ça m'intéresse. Pour compléter mon jeu. Parce que j'ai le fond, le devant et la notice, mais j'ai pas le jeu. Voilà, on continue. Hop, je vais reprendre un autre paquet.
Sur Xbox, j'ai les Sims permis de sortir. Xbox première du nom. Donc la cover. Ensuite sur PS2, j'ai. En platinium, Sébastien Loeb. Bon, par contre, elles sont écrites à l'intérieur. Bon, ça, c'est pas très grave. Une fois qu'elle est mise, ça se voit pas. Ah, parce qu'en fait, je les avais retournées pour remettre dans un tout des autres titres. C'est pour ça. Voilà. Donc, Sébastien Loeb, il y a Colin McRae Rally 3. Sur PS2, donc celle-là elle n'est pas écrite. On a pardon, Sniper Elite qui n'est pas écrit non plus. FIFA 2001 qui n'est pas écrite non plus. Harry Potter et l'Ordre du Phénix qui n'est pas écrit. Ultimate Spider-Man qui elle est écrit. Donc pareil, si vous avez les jeux et les notices, ça m'intéresse, ou si vous voulez la cover, ça faire un échange où on s'arrangera. Speed Machine 3 qui n'est pas écrit non plus. Automodelista qui n'est pas écrit. Encore une de Sébastien Loeb qui n'est pas écrit. MXGP sur 360 qui n'est pas écrit, ça c'est normal, c'est d'origine. FIFA 14 elle est écrite aussi. Gran Turismo of Aspect en platinium. Bon, elle est un petit peu malade celle-ci. Il n'y a rien d'écrit. Petit œuf méga complet, pas écrit. Spider-Man 3, pas écrit. Supercar Street Challenge, pas écrit. Alors là j'ai le fond de Medieval sur Platinum, mais là elle est coupée. Donc pareil, si vous avez le jeu en loose, je le recherche. Le Medieval en Platinum. Parce que ben, j'ai le fond, j'ai la notice. Et j'ai le devant, je crois, mais j'ai pas le jeu. J'ai le fond de Monopoly. J'ai la notice de Soul Calibur 2 sur Xbox première du nom. Ouais, il va falloir que je regarde parce que j'ai le jeu, donc je sais pas s'il y a la notice ou quoi.
Bon, je regarderai. J'ai la notice des Sims permis de sortir. Ensuite, j'ai, pour continuer, MX World Tour. Pas écrit. La pochette de Def Jam Fighter. Donc, je vous rappelle aussi que j'ai la notice. Donc si vous avez le jeu en loose, ça m'intéresse aussi. Moi j'ai les boîtiers, donc je reprendrai un boîtier et je referai un jeu avec. Les boîtiers viennent de des inondations, mais moi je m'en fous, même s'ils sont pas très propres, c'est pas grave. Au moins, ça me fait un jeu en plus, et en plus ils sont protégés quand même. Donc ça me va très bien. Ensuite j'ai deux notices de PS3. Enfin pas des notices, des covers. Alors j'ai FIFA 14. Bon, qui n'est pas écrit. Hein. Et j'ai World Championship of Road Racing. Qui n'est pas écrit non plus. Donc voilà. Ces deux-là, c'est pas fini. J'ai plein de notices là encore. Donc c'est ça qui est chiant aussi pour tenir les covers, pour les notices, voir ce qu'on a. Donc ça c'est pas une notice, hein, c'est une pub. Une pub. Là j'ai la notice de Ultimate Spider-Man. Donc pareil, si vous avez le jeu, ça m'intéresse. Si vous avez le jeu en loose. Off-road machin là. World Championship Off-road Racing. Si vous avez le jeu en loose, ça m'intéresse aussi. PS3. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors ça, je sais pas si c'est sur quoi non plus. Je ne sais plus, c'est la notice de... duquel. Bon, je regarde. Titeuf. Méga complet. Pareil, si vous avez le jeu PS2 en loose, ça m'intéresse. Colin McRae Rally 3. Le jeu en loose, ça m'intéresse. WZC Sébastien Loeb. Le jeu en loose, ça m'intéresse. Speed Machine. Le jeu en loose, il m'intéresse aussi. Je me répète, mais FIFA 14, jeu en loose m'intéresse aussi. FIFA 2001, je crois que j'ai la jaquette aussi, donc le jeu en loose m'intéresse aussi. Encore un de Sébastien Loeb, donc le jeu en loose m'intéresse. Tekken 5, le jeu en loose m'intéresse. Voilà. Attendez, j'enchaîne un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, j'ai Tekken 5 en platinium. Sur Xbox 360. Kinect Adventure, j'ai Your Shape, Your Shape. Ouais, Your Shape Fitness Evolution. CD et puis manuel m'intéresse. Kinect Sport. CD manuel m'intéresse. Bon, ceux-là, je les vends pas parce qu'ils sont en, pas en bon état. Donc, c'est pour moi, ceux-là. Ghost Recon Advanced Warfare. Prey, toujours Xbox 360. La noire,
Enfin, elle est noire. Sur 360. Big Air édition Stockhead. Classique Tony Hanks Vegas 2. Rambo 6 Vegas 2. Donc ça c'est des jaquettes que j'ai récupérées des jeux de des inondations qui ne marchaient pas. Nintendo DS, j'ai la cover de Barbie des 12 princesses. Donc pareil, je recherche le jeu parce que je crois que j'ai la notice. Puis je dois avoir un boîtier aussi qui traîne. Sport MMA. Table tennis. Ben voilà, la notice de des 12 princesses. Et enfin, Call of Duty Black Ops 2. Voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est terminé. Je n'ai plus rien. J'ai tout donné les. Oh là 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 là. Je vous ai tout montré les covers et puis les notices. Tout ce que j'avais, donc voilà. Maintenant, je vous dis, si vous avez les jeux, contactez-moi. Si vous cherchez les covers, contactez-moi aussi. Les possibilités d'échanger ou que je vous rachète les jeux ou n'importe. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir mes vidéos en notification. Voilà. Merci à tous. Au revoir.